c'est ta magie dans la pauvreté. Son panier d'osier toujours à la main, on la croisait dans les magasins ou sur le banc près du café. Elle racontait ses histoires à d'autres qui faisaient semblant d'écouter. Puis elle rentrait chez elle, le panier toujours aussi léger. Ce vieux monsieur et son petit chien blanc, le bruit de sa canne les précédait, parlaient de la pluie et du beau temps, content d'avoir à qui parler. Ils faisaient tous les jours le même tour, d'un pas décidé, d'un pas satisfait. Que peut bien devenir le petit chien? Y a-t-il quelqu'un pour le promener? Aujourd'hui un champ d'orties pique mes yeux.